plus vous séolinez vos enfants et plus leur cerveau se développe. Il n'y a rien de tel que de tisser des liens affectifs avec vos enfants. Ceci ne fait pas uniquement partie de l'importance de l'interaction humaine, mais il s'avenue point d'interrogation inversé, selon de nouvelles études, que l'affection physique lors du développement des bébés est indispensable vu l'impact positif qu'elle a sur leur cerveau à long terme. Séolin et air ponce cérébrale du bébé. Lors d'une étude menée par le National Children's Hospital de l'Ohio, des chercheurs ont examiné la capacité à agir physiquement au toucher, 225 bits BSPR matures et NS à terme. Les résultats ont indiqué que les BSPR matures répondaient moins à l'affection que les BSNS à terme. Il a aussi été révélé que les BBS soumises à plus d'affection de la part des parents ou du personnel de l'hôpital PR sentaient une réponse cérébrale plus forte. En outre, il s'avenu point d'interrogation inversée que les signes d'affection tels que les séolins déclencheraient la libération d'ocytocine que l'on surnomme un demi-molécule d'amour qui joue un rôle TR. Point d'interrogation inversée est important sur le développement de l'enfant et sa croissance. Qu'est-ce que l'ocytocine ? L'ocytocine est une hormone qui a été découverte pour la première point d'interrogation inversée en 1906 par le chercheur anglais Henry Day. Cette hormone est libérée en grande quantité pendant l'accouchement et permet ainsi à l'utérus de se contracter et de stimuler la production du lait pendant l'allaitement. La libération d'ocytocine dans le corps régit un certain nombre de comportements sociaux importants, tels que notre capacité à nouer des liens avec nos proches, à interagir avec les autres et à explorer notre environnement. Selon une étude, l'amour et les liens sociaux sont importants pour notre survie, non seulement parce qu'ils contribuent à enrichir nos expériences humaines, mais aussi parce qu'ils facilitent la reproduction et peuvent favoriser le développement du cerveau en réduisant l'anxiété et le stress. D'un point de vue volitif, l'exclusion d'une personne d'un groupe, entraînerait des troubles point d'interrogation inversés mais physiques et des troubles du développement. Cela signifie que nous sommes censés vivre en société et que l'isolement social est un concept qui n'a pas été programmé en nous. De plus, les niveaux d'ocytocine sont également positivement corrélés à la confiance, comportement est nécessaire au développement de relations affectives, de liens sociaux et d'appartenance. Un lien M point d'interrogation inversé enfant sain contribue à la libération de l'ocytocine. Les gestes tels que l'allaitement, le contact peau à peau et les séolins peuvent induire la libération d'ocytocine chez la M point d'interrogation inversé et l'enfant, tout en augmentant la connexion entre les deux. Un manque d'affection peut affecter négativement la confiance en soi et la capacité de l'enfant à établir des relations avec d'autres personnes. Par exemple, des V points d'interrogation inversément stressants au cours de la période de grossesse peuvent, négation logique très liée à des déficits comportementaux à l'âge adulte en raison de la manie point d'interrogation inversée dont ils affectent nos cystes point d'interrogation inversée médocytocine. Lors d'une étude menée sur des rats, il a été démontré que, lorsque la M point d'interrogation inversée et l'enfant étaient tous deux atteints de stress PR natal, on observait une augmentation de l'agressivité et de l'anxiété chez l'enfant, associée à des niveaux plus bas d'ocytocine dans le cerveau. Des chercheurs ont découvert qu'après point d'interrogation inversée s la naissance, les expériences sociales positives et les liens maternels au début de la vie sont à la base d'un développement social et affectif sain et sont fortement associés à une silence accru en période de stress. Selon une autre étude, les niveaux d'ocytocine chez les parents d'enfants OJS de 4 à 6 mois ont été corrélés au niveau d'engagement et de liens sociaux de l'enfant avec eux. D'autre part, les niveaux plus élevés d'ocytocine chez les M points d'interrogation inversés sont associés à un renforcement des liens M points d'interrogation inversés enfants. Cela signifie que la création de liens avec son enfant, par exemple par le biais d'une accolade, peut augmenter l'ocytocine dans le corps, ce qui non seulement établit une relation plus saine entre le parent et l'enfant, mais peut également réduire le stress et les déficits sociaux à mesure que l'enfant grandit.
En conclusion, la prochaine fois que vous embrasserez vos enfants, votre conjoint ou un, négation logique très chère, montrez-leur votre affection, et augmentez ainsi biologiquement leur taux d'ocytocine élevé très, améliorant ainsi votre bien, négation logique très à tous.